Bonjour, c'est Blaise Matuidi. Retrouvez toute l'actualité des équipements sur Footpack. Non, elles sont vraiment bonnes. C'est vrai qu'on y retrouve sur cette paire justement le cuir que l'on avait auparavant, qui permet justement d'avoir une accroche plus naturelle, on va dire. C'est pas mal. Après, j'espère que ça va porter ses fruits sur le terrain. Mais c'est vrai qu'au départ, oui, je redoutais comme tout le monde, je pense. Mais après, une fois l'avoir porté, une fois l'avoir joué avec, c'est vrai que la sensation est tout autre, mais on a l'impression qu'on joue pieds nus. C'est assez exceptionnel parce qu'on sent vraiment le toucher du ballon et ça c'est super. Là c'est vrai qu'il y a le cuir qui est rajouté, mais je pense que c'est plus pour avoir ce côté naturel qu'on avait eu auparavant, mais ça n'enlève rien au toucher parce que c'est pas non plus c'est rigide mais pas énormément non plus, donc c'est un autre style encore une fois, mais on va bien s'y adapter. C'est une bonne question. Peut-être des tempos d'ailleurs, mais non, les CTR. Ouais, donc c'est vrai que Magista, je préfère aujourd'hui les Magista. Je m'y suis habitué, donc puis ça me permet de, pour l'instant, d'être performant. Non, parce que lorsque j'ai fait les essais, justement, j'ai tout de suite accroché. J'avais l'habitude de jouer en CTR, donc on m'avait dit que celle qui se rapprochait le plus, ça allait être la Magista. Voilà, c'est pour ça. Et j'ai tout de suite accroché, j'ai adoré la sensation, le toucher. Et c'est pour cette raison que je reste et j'adore être en Magista. Non, oui, c'est vrai que la Magista, je pense, après il y a des exceptions, mais c'est pour les joueurs, on va dire, de milieu de terrain qui ont l'habitude de toucher le ballon, qui ont l'habitude d'organiser, même si c'est un grand mot pour moi, parce que moi, je suis milieu défensif, même si j'ai pris l'habitude maintenant de me porter vers l'avant, mais c'est vrai qu'on est dans un secteur de jeu où on touche énormément le ballon, donc voilà, la Magista la représente bien. Non, l'idée c'est pour moi c'est toujours de garder justement le même type, on va dire, de chaussures, justement pour avoir des bonnes sensations. Comme on dit dans le football, on joue comme on s'entraîne. Donc voilà. Moi, j'essaie de garder la même paire parce que voilà, ça me permet justement de, si je me sens bien en entraînement avec, ben, je me sentirai bien en match avec. Non, après, moi, je suis toujours curieux, donc lorsque Nike me propose d'essayer une paire, donc je le fais avec grand plaisir parce que j'aime bien la curiosité et j'arrive à vite m'adapter, ça c'est le plus important. Non, j'ai pas de maillot préférentiel, le meilleur maillot c'est celui qui vous rapporte les titres, tout simplement. Plusieurs, voilà. Non, parce que le plus important c'est d'être performant. Dans le football, moi je suis pas quelqu'un qui veut être beau sur un terrain, je veux être performant et c'est pour ça que lorsqu'on a des crampons, des maillots, c'est nos outils de travail, on va dire, le plus important c'est de bien les utiliser. Oui, c'est vrai que c'est des choses qui resteront à jamais, je pense, parce que ça, c'est les meilleurs souvenirs, on va dire. Là, on n'est plus dans le travail, dans le besoin. Je pense qu'il y a un besoin de résultats.
Avant, c'était plus du fun, et c'est vrai que lorsque tu es petit, tu as ce côté insouciant, et ça aujourd'hui, ça a changé. Donc voilà, mais c'est un métier maintenant, donc quand on gagne, ça va. Non. J'ai eu l'occasion de les tester lors de cet événement-là, mais non, j'ai pas eu cette possibilité-là en dehors. C'est vrai que c'est compliqué avec tous les entraînements et les matchs que l'on a. C'est compliqué d'avoir en plus de pouvoir en plus ou jouer, on va dire, entre amis. Et maintenant, c'est plus difficile. Non, mais je mettrai la Magista parce que je me sens vraiment bien. La CTR, j'ai adoré. Et la Tempo, voilà.